Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence directement pour le petit résumé des 12 coups de midi. Alors, je prépare un truc, vous verrez tout à l'heure. Bon, passons. Alors, Jean-Luc Reichmann était bouche bébé, le maître de midi, 155 400 €. Il est content. Ah, il est content, hein, mais bon, il n'est pas que content. Sinon, bah, comme on peut voir, c'était sa 30e participation. Alors, si vous regardez un petit peu le tableau des participations, donc là, il va battre pas mal de grands champions. Et moi, je trouve qu'il n'a pas le niveau. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne. Je sais quand un mec, il a le niveau ou pas. Au coup d'envoi, la première question, à qui attribue-t-on l'expression ? Impossible n'est pas français, et bien comme on l'appelait quand il était jeune, et bien Napoléon, quand il était jeune, on l'appelait la paille au nez. Donc ensuite, vous aviez Charline, très mignonne, qui était venue avec toute sa famille. Il y avait du monde, il y avait du monde. Alors, sa question, quel pays a participé 19 fois aux JO d'hiver depuis 1928, mais n'a jamais remporté la moindre médaille? Et bien étonnamment, c'était l'Argentine, donc elle est passée à l'orange. Justement, à l'orange, et bien c'est Luca qui avait un très joli pull, au dire, qui était, bah, en plus, qui était roux comme son t-shirt, qui était venu avec son compagnon Antoine. Donc, bonjour les garçons. Alors, à quel âge la chanteuse Adèle a-t-elle sorti son album 30? Eh bien, c'était à 33 ans. Étonnant, non? Après, vous aviez, oh, qu'est-ce que l'été mignonne, elle s'appelait Vanille. Oh, les filles à la vanille. Donc, voilà, qui était venue avec toute sa famille, dont la fille, et que la petite, quand on la voit, on dit, c'est la fille, c'est la... Bon, passons. C'est sa fille à la vanille. Donc, voilà. Alors, à quoi ressemble le trophée remis chaque année lors d'un match de football de gala organisé par le club de Leganés et en Espagne? Eh bien, c'était Uno Cornichon. Après, pour le maître de midi, selon les dermatologues, à quelle fréquence faut-il changer de serviette de toilette et non pas de serviette hygiénique? Donc c'était bien une fois par semaine, donc il n'est pas tombé dans le piège. Qu'est-ce qui explique que le pou mâle soit particulièrement performant en reproduction? Ça, je suis désolé, mais cette question a déjà été posée il n'y a pas très longtemps en plus, parce qu'il a beaucoup de coronesses, comme une certaine personne que vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, le fromage de l'AOP Mondor ne peut être commercialisé qu'une partie de l'année. Eh bien, c'était vrai. Pour la fille à la vanille, quel objet souvenir de son premier concert Céline Dion conserve-t-elle en guise de porte-bonheur? En guise de... Bon, passons. Eh bien, c'était une pièce de 5 cents. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris l'autre fille en duel qui est tombée sur une question pas facile. Hein. Qui a conquis la Gaule et qui n'a pas eu... Qui a eu la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ? Donc, bien sûr, donc Napoléon, c'était pas possible. Benito Mussolini non plus. Victor Emmanuel non plus. Donc, bien sûr, c'était Julio César. Donc, c'était une question facile. Donc, nous avons perdu la jolie vanille. Donc, ensuite, eh bien, Charline, Laurent et Luca sont passés. Alors, entre-temps, ah, t'as la crise de rire, puisque, bon... Jean-Luc Reichmann a voulu faire pleurer, parce qu'en fin de compte, on a l'impression, quoi. Moi, j'ai l'impression que le seul truc qui fait que le maître de midi reste maître de midi, c'est parce qu'il chiale tout le temps, voilà. Donc, bon, alors, comment dire, vous savez, dans la production, ils aiment bien quand il y a un mec qui chiale, donc, voilà, donc, rapproche la caméra, il va chialer. Donc, alors, on s'est dit, tiens, ben, il va y avoir une lettre d'amour de sa petite chérie. Tiens, justement, en parlant de sa chérie, ça serait bien qu'on la voit un petit peu, mais en passant, et en fin de compte, c'était juste des mots d'élèves. Donc, alors j'espère que j'aurai une bonne note. Bon, bon, en fin de compte, bon, il y avait aucun truc d'amour, voilà, et en plus, Jean-Luc Reichmann qui parle de Saint-Valentin par rapport à des textos comme ça, donc j'ai trouvé quoi, des posts, donc j'ai trouvé ça un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, sinon au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui se mange? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une espessade, je ne connais pas. Donc, ensuite, pour Charline, quel sportif est belge? Eh bien, directement, elle est tombée sur la mauvaise réponse, c'était, bah là, je ne vois pas, mais c'était Peter Van Den Dongen. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires. Voilà, elle a eu les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais bon,
il s'est passé un truc très rigolo. Parce que bon, il a eu une question de bébé, c'est normal, on a l'habitude dans le jeu, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand elle a vu la question, eh bien c'est la première fois, on l'a entendu, elle a fait, oh non! Parce que elle a vu que la question était facile, donc elle s'est dit, oh non! Donc voilà, donc que contiennent les vasques situés à l'entrée des églises dans lesquelles les fidèles trempent leurs doigts? Donc c'était pas du sang de cochon, du lait de chèvre, du vin de messe, c'était bien sûr de l'eau bénite. Donc voilà, question de bébé. Bon, comme je dis, c'est pas de la faute du maître de midi, c'est pas lui qui fait les questions. Donc ensuite, Laurent et Lucas se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, directement, bon bah c'est parti, hein, donc il n'y a pas de pub. Quelle femme née au Rwanda fut élue Miss France 2000? Ça, c'était pour le maître de midi, donc Sonia Roland, question défi. Quel terme propre au monde du voyage désigne la façon de poêler rapidement un steak tartare? Donc franchement, le pauvre, hein? Après, on va me dire, mais non, c'est question pour pareil. Ben non, ça s'appelait aller-retour. Franchement, hein? Après, quelle actrice a chanté Happy Birthday au président Kennedy? Donc, bien sûr, c'était Marilyn Monroe. Ça, c'était une question pour le maître de midi. Quel est le nom de famille du couturier Kenzo? Donc, c'était Tagada, hein? Voilà, voilà les Dalton. Donc voilà, en question encore difficile pour le Challenger. Quel établissement de recherche scientifique est situé au sommet du pic du Midi de Bigorre? Donc c'était l'observatoire. Là, donc il n'a pas trouvé. Quel nom est plus courant donné en français aux Saamis, les habitants de la Laponie? Donc c'était les Lapons. Voilà. Et quand les Lapons pompent, et ben le Japon aussi. Alors, donc, de quel groupe John Deacon et Robert Taylor sont-ils les deux membres les moins connus? Donc voilà, donc franchement, il a eu que des questions hyper difficiles. Tandis que, regardez la crise de rire, mais quand vous regardez, comment il s'appelle, Laurent, regardez son score. Lui, il a répondu à une question. Et voilà, donc après, toc, quel est le vrai prénom de Niololito, je sais pas quoi, le TikToker aux 4 millions d'abonnés? Donc voilà, et puis pour finir, comment appelle-t-on la figurine cachée dans la galette des rois? Donc ça c'était facile, mais bon franchement, hein, foutage de gueule. Donc bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors là il faut savoir, il avait 30 000 euros au compteur, donc ça voulait dire que il pouvait gagner 15 000 euros. Et là je me suis éclaté de rire. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, voilà. Bon, alors, quel adjectif qualifie une année de pause dans la vie professionnelle? Donc bien sûr, c'était une année sabbatique. Donc à moins que si tu t'appelles Alain Chabat, c'est une année sabbatique. Donc voilà. Quel animal est la caille? Donc la caille, donc bien sûr, c'est l'animal qui a le plus froid. C'est un oiseau. Ensuite, quel état de pas le franc pour monnaie officielle? Ben, il a dit l'autre. Il a dit l'autre. Eh ouais, c'est le prof de philosophie, hein, donc voilà. Donc bon, bah bien sûr, c'était la Suisse, donc il l'a eu dans l'os. Donc j'étais éclaté de rire, je me suis dit, mais non, il rigole, il rigole. Non, non, il rigolait pas. Bon, bah voilà, donc c'était Rigoletto. Dans le système éducatif français, que signifie le sigle PP? C'est petit perdant. Donc c'était prof principal, je crois, un truc comme ça. Puis à la fin, donc bon, c'était plus facile. Dans quel sport de glisse l'Américain Sean Wan est devenu champion olympique? Donc bien sûr, c'était le snowboard. Alors, je vais vous dire un truc, la crise de rire, c'est qu'ils lui ont mis que des questions de bébé. Et en fin de compte, il s'est planté sur la question hyper simple avec le franc suisse. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en plus, ils vont le faire garder jusqu'à au moins la mi-juillet, la mi pardon, pas mi-juillet, mi-mars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est leur émission. Donc, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, ça y est. Donc, vous avez donc toujours. Donc, vous avez la Gigi, la girafe, vous avez la savane, vous avez les pots de crayon. Moi, j'aime bien, comment dire, Kirikou. Hein, donc, si même si c'est pas ça, c'est pas grave. On m'a dit Claude Riche, donc on verra bien. Donc, voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, bah, vous avez le t-shirt trop mignon. Donc, le t-shirt type trop mignon, et bah, il est sur le site tropmignon.com, c'est original. Et puis, bah, sinon, moi, bah, que dire? Mais franchement, que dire? Mais que dire du maître de midi? Bah, franchement, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Donc, voilà.
Sinon, bah, vous pouvez donc me rejoindre sur ma chaîne Chasseur de News. C'est très rigolo d'avoir cette chaîne parce que autant ici, je fais 2-3 vidéos par jour, tandis que sur l'autre, des fois, je peux faire 10 vidéos. Mais bon, comme c'est l'actualité, et souvent, il se passe plein de trucs, donc c'est assez rigolo à faire. Et puis, sinon, bah, je prépare une autre vidéo que je mettrai après. Vous verrez, c'est étonnant. Je ne sais pas si ça va marcher. On verra bien. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.